Bonjour Clotilde, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Cette année, tu es jury au Festival Onvouement et on va revenir un petit peu sur ta chaîne YouTube, ouais. Passé Sauvage, et tes projets. Déjà, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ta chaîne, de quoi ça parle, qu'est-ce que tu fais ? Alors, donc, ma chaîne s'appelle Passé Sauvage. C'est une chaîne qui vulgarise l'archéologie, l'anthropologie et l'histoire, les sciences humaines et sociales, on appelle ça comme ça. Je l'ai créée en 2016. Après mes études, je fais des études d'archéologie, j'ai travaillé un peu en tant qu'archéologue. Et en fait, j'ai voulu vraiment faire de la vulgarisation grand public de ces disciplines-là, parce que ça n'existait pas en fait sur YouTube. Il y avait surtout ce qu'on appelle des sciences dures, quoi, de la biologie, des maths, de la biologie, voilà. Moi, j'ai voulu prendre la place qui existait, quoi. J'aimerais qu'on revienne sur un des gros projets de ta chaîne, l'Odyssée Sauvage. Ouais. Du coup, qui est une série de vidéos où tu vas sur le terrain directement pour nous présenter des lieux mythiques. Comment est venue cette idée de partir sur le terrain, d'y aller en vrai ? Pour l'archéologie, c'est une discipline qui intéresse beaucoup le public, intéresse beaucoup aussi les producteurs, les réalisateurs dans le documentaire. C'est-à-dire que chaque semaine, il y a des documentaires à la télé d'archéologie. Et du coup, l'idée, elle est venue de justement ce constat de ce que moi, je voyais comment étaient traitées la mythologie et les sites grecs, avec toujours vraiment un attachement très fort à la fiction, au mythe, avec beaucoup d'emphase. Et moi, je voulais revenir à, OK, mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on trouve ? Est-ce que l'archéologie rend les mythes réels, en fait ? Est-ce que c'est prégnant ? Est-ce qu'on peut trouver quelque chose ? Et donc, Odyssée Sauvage, c'est vraiment imaginé comme un road trip où on est deux archéologues. Je pars avec mon compagnon qui est également archéologue. Et on vient filmer, scruter les lieux. Et il y a tout un travail d'écriture en voix off où on essaye de faire comprendre au public quelle est la part de réel et de fiction dans les mythes. C'est toujours une part de réel dans les mythes. Mmh. Voilà. Ok. On l'a dit, ta chaîne, c'est une chaîne de vulgarisation. Et ces dernières années, il y en a beaucoup qui ont émergé sur YouTube. Quel œil est-ce que tu portes là-dessus ? Est-ce que tu penses que tout le monde peut faire de la vulgarisation sur YouTube ? Mais des chaînes qui font du divertissement, et puis il y a des chaînes qui font de la vulgarisation, et la différence, c'est de la méthodologie. Tu as la méthode universitaire, celle que j'emploie, en fait, où en fait, on a la tête dans les bouquins et on essaye de synthétiser des travaux de recherche. Et puis, tu vas avoir des contenus qui sont souvent... c'est pas une question d'être plus léger, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment la méthode. C'est quelles sont les sources, à partir de quoi, quel est le matériau de départ pour écrire et parler aux gens. Et donc, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur YouTube. C'est une question de travail, en fait, et d'attitude avec son public. J'aimerais qu'on vienne au tout début de ta chaîne, quand tu as lancé ça. Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières au début ? Toutes les difficultés possibles. Ah ouais, c'était ma première difficulté, c'est la solitude. Enfin, ouais. C'est-à-dire qu'on se lance dans un truc, j'ai envie de faire ça. Puis évidemment, tous les obstacles arrivent. C'est d'accord, il faut acheter du matériel. Lequel, comment, avec quel argent. Il faut apprendre à monter. Il faut en plus se cadrer seul. Tous les obstacles sont décuplés parce qu'on est tout seul à faire ça. Il n'y a pas une équipe, il n'y a rien. Mais en même temps, à chaque fois qu'un problème est résolu, ça conforte nos choix. Moi, je me suis sentie beaucoup moins fragile que je l'étais avant. Donc je suis plutôt contente. Après, c'est une étape. Et maintenant, moi, je commence à... Les limites de faire tout seul sont très vite atteintes. Et depuis 2 ans, ça y est, je commence à avoir une petite équipe autour de moi et c'était plus la technique, dès qu'on a un peu d'argent, améliorer son matériel, voilà. Et du coup, au tout début, t'avais jamais fait de montage ou de vidéo ? Si, j'ai eu la chance de faire un lycée à Charlieu, c'est à 1 heure de Lyon, qui a une option cinéma, et donc pendant 3 ans, on faisait 2 heures de cinéma par jour, 2 heures de cours, et on devait présenter au bac 2 courts-métrages. Un docu, une fiction. Donc tu avais quand même un peu déjà touché à ça. Mais c'était en 2000, entre 2006 et 2008. Donc on filmait avec des caméras mini DV. Et en fait, ça a bien changé. Il s'est passé 10 ans
entre le lycée et l'ouverture de la chaîne. Mais oui, non, mais la première vidéo, je l'ai retournée 3 fois. Il y a 4 versions. Ce qui est sur YouTube est étonnant parce que la voix est pas du tout posée, la caméra elle est au-dessus de moi. Enfin, je suis complètement écrasée par tout ce qui arrive. Bah, c'est normal. Bah ouais, c'est normal. Et aujourd'hui, du coup, passé sauvage, est-ce que tu as un rythme de vidéo que tu t'imposes ? Comment est-ce que tu travailles en fait sur ta chaîne au quotidien ? Alors oui, il y a un rythme qui est un peu imposé justement par les subventions que la chaîne arrive à toucher de la part du CNC notamment. Donc on a quand même un calendrier à respecter. Donc il y a au minimum une vidéo par mois. Quand on arrive à pas avoir trop de trucs à côté, on arrive à en faire 2 par mois. Et je dis on parce que du coup voilà, il y a mon compagnon écrit les scripts. Moi, je tourne, je monte. Il y a quelqu'un qui s'occupe du motion design, par exemple les cartes, voilà, quelqu'un qui va s'occuper de ça. Et puis ensuite, moi, je m'occupe de la diffusion, de la com, voilà. Et du coup, pour la suite, c'est quoi est-ce que tu as des projets déjà en tête ? On va filmer des fouilles archéologiques un peu partout en France. Donc de nouveau, on retrouve l'idée du road trip. Et c'est encore cette idée un peu qu'il y avait dans Odyssée sauvage, c'est-à-dire filmer un peu l'envers du décor de l'archéologie. C'est quoi le travail d'un archéologue ? Comment les équipes de fouilles s'organisent ? On va essayer de montrer voilà, l'effort sur le temps long d'une fouille, les objets qui sont sortis de terre et qui du coup ne sont pas propres, ne sont pas jolis, sont cassés, tout ce qu'on ne voit pas en fait à la télé. C'est voilà. Génial. Donc ça, on démarre dans 2 semaines à Bibracte, c'est en Bourgogne. Donc ça va être une sorte de making-of un peu de l'archéologie. Bah, quoi. Plus, ça va plus être du film ethno, okay. D'archéologue, c'est-à-dire qu'on pose la caméra, on va être assez discret, on va demander aucune mise en scène, on n'a aucune attente et on voit ce qui se passe. Super. Bah écoute, merci beaucoup Clotilde pour tes merci, réponses. Merci à vous. Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Ouais, bah oui, sur Passé Sauvage. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci à toi.